Alors, on a le même problème? Ah non, c'est bon. Ok. Pensais qu'on allait avoir le même problème que hier. Bon bah bonjour, hein. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de passer la mine. Sachant que on va se faire embusquer dès le début. Je vais couper le son, faut que je coupe le son, attendez. Okay, je pense qu'on y est. Alors, attendez, j'enlève le titre parce que bon, vous avez compris où on était. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Voilà, donc du coup, on est ici. Ici, c'est la fin du niveau 1. Ça, c'est un mage qui pourrait nous aider. Mais on est trop déjà, du coup faudrait jarter quelqu'un. Et là-haut, c'est là où tout le monde va débarquer. Une tâche facile. Moi j'ai pensé. Vous êtes une bien étrange On va personne. poser un piège. Là. Elle a raté son posage de piège. C'est génial. Eh bien on va dormir. Jusqu'à ce qu'elle réussisse son posage de piège. C'est pas possible ça. J'en peux plus. Les dés ne sont clairement pas avec nous. Allez, pose ton piège. Là. Bon, ok. Il veut pas. Oui. Il veut pas que ce soit facile ce jeu. Une tâche facile. Quoi? Comment avez-vous réussi à entrer ici? On a demandé aux gardes. Hein. Allez hop, c'est parti. Donc en haut, ça va aller, comment dire, ça va être bourrinade. Mais peut-être qu'on peut s'amuser à les tirer à distance, quand même, en même temps. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on n'irait pas les attirer là? Pour voir si le mage arrive à nous aider. Je ne sais pas si ça va se passer, mais ça peut être intéressant. Ah, on va essayer de ça. À plusieurs. Ah non, mais ça arrive par là aussi. Oh là 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 là. Oui, aux figures autoritaires omniprésentes. Et j'ai pas un sortilège de repousser les morts, hein, par hasard. Voilà, donc, arme empoisonnée, je sais pas si ça va nous servir, mais bon. Au moins, on va tester. Vous avez quelque chose à accomplir? Un chevrettement, ça serait pas mal sur le plus loin possible de nous. Moi, je m'en vais. D'ailleurs, on devrait peut-être lancer le sort d'enchevrettement avant. Mais on va voir. Le serviteur de Dame Nature. Vous êtes une bien étrange personne. Ah, mais faut quand même aller là, hein, en fait. Hein. Ça change rien, hein. Vous êtes pas du corps à corps, vous. On se déplace, on se déplace. Merci. Avez-vous besoin de mes services? Oui,
Qu'est-ce que vous voulez? Autoritaire omniprésent. Une tâche facile. Ah oui, bah bien sûr. Me viser alors que tu me vois pas. Bien sûr. Et Xan, il est au milieu, il fait rien. Regardez bien, hein. Je suis déjà contre moi. Nous allons mourir again. Quoi? Voilà. JPP. Bon, faut qu'on trouve... apparemment, le mage, il a décidé de pas être avec nous. Je pense qu'on va faire la technique de « je lance des sorts par défaut ». On va... Bah non. On va se mettre là. Voilà. On va faire... Le serviteur de Dame Nature, c'est comme si c'était fait. On va envoyer... Faire un sort d'enchevêtrement là. Et t'es obligé d'être dedans, c'est ça? Quoi? Voilà. Comment avez-vous réussi à entrer ici? Ok, maintenant on part. Salut. Voilà, donc du coup, là ça va être tranquille. Puis-je vous aider? Ah, oui. Vous êtes une guide autoritaire omniprésent? Et ben voilà, elle est piégée. Elle est piégée. Pour ceux qui ont péri. Essayez de la sauver, s'il vous plaît, faites quelque chose. Quelque chose. En tout cas, la stratégie était pas mal, mais... Va-t-on survivre? Non, Razad est décédé. Bon, j'en peux plus. Moi j'aimerais bien garder Razad quand même. En fait, toute l'équipe, ce serait bien de les garder, quoi. Et c'était une bonne strat, hein, mais je sais pas pourquoi. Ils ont décidé de pas m'aider. Le serviteur de Dame Nature attend. Attendez, parce que moi, ça me crie dans les oreilles à chaque fois. Le serviteur de Dame Nature. Oui? Un peu bas maintenant pour moi. Attendez, hop, je vais mettre là. C'est fait. Un peu mieux. On va se mettre ici. Comme ça, on est un peu caché. Oui? Est-ce que je peux lancer un truc sans être à 2 mètres? Pour le groupe. Ce qui se passe ici est tout à fait inhabituel. Non, et je n'ose pas y prendre part. Ah oui, c'est la visibilité du coup. Ok. Allez, c'est parti. Quoi? Comment avez-vous réussi à entrer ici? Et ça spawn, hein? Il faut juste croiser les doigts. Ah, bah voilà. Il faut juste croiser les doigts pour que... Puis-je vous aider? Ça se passe bien. Très bien que là, ce soit ça. Vous êtes une bien étrange personne. Ça. On a de la vie? Ou c'est immobilisé, tu fais rien? On n'a pas de vie. Bon, peut-être gourdin, du coup. Ah, mais ça y est, c'est fini, on peut plus. Ok. Avez-vous besoin de mes services? Je crois qu'on a réussi quand même à enchevêtrer notre pire ennemi. Ok. On est bon. Regroupement. Une tâche facile. Vie. Non, toujours pas. Qu'est-ce que vous voulez? Arc long en avant, s'il vous plaît. On voit un peu ce qui se passe. Non. Ok. Pour l'instant, on est bon. On peut récolter la thune.
On attend juste qu'elle soit qu'elle fait ses dés de sauvegarde là, histoire de voir ce que ça donne. Attendez, il y a un squelette dans le chevêtement. C'est fait. On peut le voir. Squelette. Non. Vous avez quelque chose à accomplir? Un peu de vie pour toi. Pas beaucoup ça. On va se dire que et ça va pour l'instant. Oui, bien sûr. Regardez sur la mine. Hop, hop, on a fait la première vague. Bon. Maintenant, il y a le boss à s'occuper. Et un squelette, apparemment. Quelque part. Oh, ils sont pleins. Le serviteur de Dame Nature attend. Ah mais j'ai plus. Bah écoutez, on va reculer. C'est fait. Quoi? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Oh, figure autoritaire omniprésente. Ok. Ma lame vous coupera en morceaux. Puis-je vous aider? Avez-vous besoin de mes services? This will not be a quick death. Non, par contre, s'il te plaît, Razal, tu restes ici. Vous avez pas quelque chose petit, à accomplir? Genre, faire sauver un peu Razal dans l'histoire. Bah, elle fait tout le tour. Allez. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Il nous reste pas beaucoup de vie pour Roland. On va pas sauvegarder. Le serviteur de Dame Nature attend. Quoi? Bon. J'en ai assez. On peut faire, mais je pense que là, la suite va être compliquée. Après, c'est Roland qui est bloqué. Bon, vas-y, on peut y aller, du coup. Là, je l'ai empoisonné. On fait une absorption de vie sur lui. On va essayer de faire du cac avec... Oui. Vous deux. Figure autoritaire omniprésente. Voilà. Oui, vous ferez mieux. Dites-nous ce qui s'est passé. Il se peut que vous en réchappiez. Vous trouvez toutes mes lettres dans ce creuf. Prenez-les et laissez-moi, je ne vous en dirai plus. Bah, très bien. Au revoir. On n'est pas obligé de le taper, apparemment. Non, vous n'êtes pas obligé de le taper. Par contre, on peut le, on peut le voler vite fait ou pas? Non, mais... On n'est pas obligé de le taper. Et maintenant, où une tâche facile. Comprenez-vous? Comment on fait pour déposer les armes? Mais non! Mais arrêtez de le taper! Mais vous n'êtes pas obligé de le taper! Oh là là, c'est pas possible. Partez loin. Mais oh là 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 là, laissez-le partir. Mais il veut se faire taper en fait, je comprends pas ce qui part. On attend Imoen hein, parce qu'elle est bloquée. Non mais. S'il te plaît. Ah, c'est ouvert.
Mais... Oui ? Mais il va vraiment décéder, j'en peux plus. Et maintenant, que c'est une tâche facile. Qu'est-ce que vous voulez ? Par ici ! Mais arrêtez de le taper, j'en peux plus ! C'est quoi ces compagnons ? Quoi ? J'en ai assez ! Mais pars ! Il va se faire démonter, en plus il s'approche là, je comprends pas. Ouvre la, ouvre le truc, quelqu'un, s'il vous plaît. Waouh, regardez-moi ça là, ça, c'est quoi cette attaque en boule D là ? Partez ! Oui ? Oui, bien sûr. On a négocié sa non-mort et vous voulez le tuer. Je comprends pas. Non mais... franchement... C'est dans le lore qu'il faut le tuer, lui. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Non mais... Je vais enlever toutes vos armes, c'est pas possible. Le serviteur de Dame Nature attend. C'est pas possible ce que vous faites là. Oh, t'as trop de choses de toute façon. Donc, Mais ça, du coup, on sait ce que c'est. Flèche légère pour la distance. Ok. Ils vont se taper avec les mains. Regardez-moi ça, elle est déjà prête à se taper avec les mains lui aussi là. J'en peux plus. Là, toi, tu devrais prendre de la vie. Et là, c'est bleu, ça veut dire que c'est pas identifié. C'est comme si c'était fait. C'est pas plus Dorn, j'ai l'impression que c'est plus l'épée de Dorn qu'il y a dedans. Et maintenant, je crois que il a décidé ici l'autre. Donc du coup il nous a dit qu'il y avait des parchemins. Est-ce qu'on a récupéré le parchemin? J'ai pas l'impression hein. En fait je pense que c'est dans sa poche. J'en ai assez. Il est agonisant, non c'est pas vrai. Oui. En même temps, oui. Ils sont tous en mode je de vous attaque. C'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'en vais. Je t'ai demandé juste d'aller voler. Tu peux y aller ou vous êtes bloqué avec Dorn? Hop, hop, vole le lui là. Ah, ici. Pas démonté. Ah, c'est une créature considérée hostile là. Je comprends pas. On n'a pas négocié sa mort. Enfin, sa non-mort. Your wish. Avez-vous besoin de mes services? Vous avez quelque chose à accomplir? Moi, je m'en vais. Et maintenant, que se passe-t-il? Je sais pas ce qu'on peut faire. Il va mourir. Hein. Et maintenant, où? Oui? Très étrange comme groupe. Bon bah, je te remets tes armes, hein, écoute. Et ainsi que va la vie. C'était la fronde, je sais même plus ce qu'il avait. C'était gourdin. Bon bah voilà. Bon bah je ne vais rien faire et on va les laisser s'agiter hein, mais on sait ce qui va se dérouler. Voilà, de toute façon quoi que j'aurais fait, n'aurait rien changé.
Quoi ? Oui ? Donc oui, il avait les lettres sur lui. Du coup, c'était pas dans son coffre du tout. Il ne fait aucun doute que la mort de Mulahe va soulager les craintes de la population terrorisée de Nashkel. Mais vous demeurez dans l'inquiétude. S'il est possible que le demi-orc soit effectivement à l'origine des problèmes de la mine, la pénurie de fer est trop généralisée pour être de son seul fait. Ces lettres confirment vos soupçons, et bien qu'elles ne donnent guère d'indications sur la cachette de ces cohortes, celles-ci doivent être alliées aux bandits qui hantent actuellement la voie côtière. Bon, on n'a pas lu les lettres. Il y a quelqu'un qui me parle, alors qu'on n'a pas lu les lettres. Toujours pas lu la lettre. Comment mon journal peut être mis à jour ? Je vais lire les lettres. Je vous ai envoyé les kobolds et le poison minéral dont vous avez besoin. Votre tâche consiste à contaminer tout minerai de fer qui tend cette mine. Ne révélez pas votre présence aux mineurs, vous seriez jeté à l'eau par les soldats et la garnison amnienne locale. Mes supérieurs ont récemment fait appel au service des membres du Frisson et des mercenaires des Griffes Noires. Avec ces soldats à ma disposition, je devrais être capable de détruire tout convoi de fer entrant dans la région depuis le sud ou l'ouest. Je ne veux pas m'occuper du fer provenant des mines de Nashkel à en échouer pas. Tazok. Pas qui c'est. Mon serviteur Mulahe. Votre progression dans le détournement du mineur fer n'est pas aussi efficace que prévu. Comment avez-vous pu être aussi stupide pour permettre à vos kobolds de tuer les mineurs ? Maintenant que votre présence est connue, méfiez-vous des ennemis envoyés pour contrecarrer votre opération. Votre tâche est extrêmement simple. Si vous continuez à montrer que vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous serez remplacé. Je n'enverrai pas les kobolds que vous avez demandé car j'ai besoin de toutes mes troupes pour empêcher l'import du fer dans cette région. Je joins à ce message un peu plus de poison de métal. Ok. Si vous rencontrez le moindre problème, envoyez un message à mon nouveau contact à Beregost. Ah ah ! Faut qu'on aille à Beregost, voir Transig. Il logera à l'auberge de Foldpost. Ok. Et ça, c'est quoi ? Le symbole. Un portrait du dieu Siric. On va le donner à la personne religieuse du coin. Là, ça me permet de faire quoi, ça ? 9. Classe d'armure plus 1, bonus plus 1, les contrées projectiles. Donc du coup, c'est un peu mieux que ça. Sans doute plus lourd aussi. Et ouais, c'est pas mal. Alors le journal, il nous a dit confrontation avec Transig, donc faut qu'on aille voir Transig. Il faudrait que je retourne voir Bérin Tumor pour l'informer de la situation. En août, je dois voyager jusqu'à Beregos pour me rendre à l'auberge de Feldpost. Un homme du nom de Transig y demeure. J'ai des sondés, il faudrait que je retourne voir Bérin Tumor. C'était où Bérin Tumor ? C'était qui Bérin Tumor ? Attendez. Chapitre 2, Bérin Tumor, il est où ? C'est qui truc tumor hein. Peut-être le mec devant la mine. Et maintenant où oui, bien sûr. On va discuter avec Zan, mais je pense qu'il nous a pas aidé, donc du coup on va pas trop discuter avec lui en vrai. Bon, c'était fun de t'avoir dans le groupe en tant que spectateur. Mais vous êtes très lourd, mon cher. Qu'est-ce qui est très potion d'absorption. Peut-être pour Dorn ça. Mieux, vous êtes plus léger. Et le. Si je ne réussis pas du premier coup, ma bonne femme ne me laissera pas oublier cet échec. Oui, mais t'as deux trucs, ok. Bonjour. C'est quoi qui est lourd, c'est ça ?
Oui. Sauvegardons. Oui, bien sûr. Il doit y avoir un moyen de repartir vite d'ici. Hop, hop. Non, y a pas moyen de partir vite d'ici. Ouais, sur Bomboclat à la sortie. Vous comme devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Une tâche facile. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Une goule? Oh non, on va... Le serviteur de Dame Nature... On aurait dû dormir. Oui, bien sûr. Okay. Et maintenant, où une tâche facile. C'est la première goule qu'on rencontre. Hein. Ça traîne ici, ok. Bon. Bon. Ah mais j'avais pas vu, mais la caméra est un peu haute. Bon, un peu haut. Je crois que la sortie est quelque part autour de ce truc, donc de toute façon. On n'est pas loin. Est-ce qu'on ferait pas dodo ici? Pas dodo là. Mais prévenez-nous qu'on se réveille, s'il vous plaît. C'est tout, les amis. Oui, qu'est-ce que vous voulez, leur autoritaire omniprésent? Passons aux choses sérieuses maintenant. Bon, les kobolds, ça a l'air d'aller en ce moment. Voilà. Cliquez sur quelqu'un de votre taille. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une vase grise. Une vase grise. Puis-je vous aider? Thèse. Là. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. On a bien fait de dormir, hein. Et maintenant, où c'est fait? On va redormir. On est où? Ok. Bon, vu qu'on est sorti, on va sauvegarder. Je vais peut-être supprimer des trucs, genre ça. Voyage de sauvegarde. Peut-être pas ça.
Ouais, sauvegarde. Hop. Et maintenant, nouvelle sauvegarde. Dehors, at least. Ok, oui, donc du coup, il faut qu'on aille à Beregost. Là, on est sorti dans un coin, je ne sais pas où on est, mais j'imagine que la mine doit être pas très loin d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Les chiens sauvages. Alors, allez, c'est le moment de tester mon super pouvoir de gestion animale. Avant qu'il die, ça serait pas mal aussi. Ok. Et maintenant, que se passe-t-il? Maintenant, passons aux choses sérieuses maintenant. Mais... ils ont tué l'animal que j'avais charmé. Tâche facile. Franchement, c'est quoi cette équipe? Ouais, j'imagine que c'est par là qu'on doit aller. On va se mettre au coin. Vérifier. On est sorti... ici. Et on doit aller aux mines, j'imagine, pour pouvoir parler avec la personne qui est Bérin Tumor. Bon. Nous sommes arrivés sains et saufs. Déjà, c'est pas mal. Bérin Tumor doit être là. Ah non, mais c'est Emerson. Qui est... je vous sens regret de ne pas me gêner dans mon travail. Mon dieu, vous revoilà sain et sauf, je vous le dis, comme je le pense, vous êtes ce que j'ai vu de plus beau depuis des semaines. Ils vont prendre... ils vont remettre... ouais, ok. Je vais dire aux hommes de reprendre le travail, il y a du minerai à extraire, on ne peut toujours pas le livrer à cause des bandits, mais c'est pas mon affaire. Allez prévenir le maire, parce qu'il va certainement nous donner une récompense. Le maire de Nashkel? Ok. Bon, bah écoutez, c'est bien. On a fini une quête. C'est pas mal. Allons voir le maire, voir la récompense qu'on va avoir. C'est-à-dire 2 balles. On va pouvoir acheter même pas une potion et demie. La joie de la vie, quoi. Razad, elle est très pressée, apparemment. Nashkel. C'est fait. Déjà ? On est arrivé par un autre endroit. Ah ah. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Je ne suis jamais allé ici. Nous ne sommes plutôt. Verrouillé. C'est verrouillé. Alors, la mairie, je ne sais pas où c'est, hein, par contre. Mairie, garnison, taverne, temple, magasin, auberge. Au moins, on n'avait pas de problème à Nashkel, ce qui est bien, c'est qu'on peut se balader. Ah si, il y a notre fan adoré, là, donc on va essayer de checker par là. Activity. On va dormir, t'inquiète Razad. Salut toi. Salut. Quelle heure est-il? Tard. Salut toi. Est-ce que c'est la mairie? Ouais, cap. Les mines ont été purges, ce qui signifie que le retour au boulot pour de nombreux travailleurs. La situation va donc revenir à la normale. C'est peut-être déjà mieux, mais nous sommes encore loin de la normale. La mine fonctionne à nouveau, mais il faudra encore longtemps avant que les effets ne se répercutent sur toute la région. Les bandits font régner la loi. Donc, du coup, c'est maintenant le deuxième problème, c'est les bandits. Ah, je vais bientôt avoir besoin de repos. Oui, mais t'inquiète pas. Tant bien. En fait, jamais. Mon dieu, pauvre de toi.
Salut toi. Mon fan adoré. Ah, tiens. Je crois que c'était un passage vers ailleurs. Ah, pas grand chose. Salut toi. C'est la mairie ça? Non mais ça c'est des... c'est... Oui c'est ça, c'est des maisons. Et c'est pas la... il n'y a pas de mairie à Nashkel? C'est à Bérégos la mairie? C'est possible. Possible, possible, possible. Alors, bon. C'est le tour hein, mais j'y crois pas trop. Ok, traversons le canal. On va aller voir l'auberge. Peut-être la garnison, mais je sais pas si la garnison va nous aider. Hein. C'est qui ça? Roturier. Je suis la mort venue pour vous. Rendez-vous et la route sera moins longue. Les mercenaires, again. Je me rends, je ne veux pas me battre. Pardon, je ne me rendrai pas. Défendez-vous si vous voulez, de toute façon vous êtes un homme mort, et cela ne me gêne pas de travailler pour gagner ma vie. Très bien. Eh bien, si tu t'appelles Nimbul, et que tu te parles à toi-même... Bah... Je peux toujours essayer. Vous avez quelque chose à accomplir? Oh non, mais c'est un mage? Oh non. Oh non, la mort. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il est mort, il est mort. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a fait peur à tout le monde, mais il est mort. Oui, c'est fait. Ah, il a des lances, des haches de jet, c'est pas mal ça. Tu vas prendre 130. Inventaire plein. Ah bon? Donne ça à quelqu'un d'autre. Cette arme, on n'avait pas dû. L'âme de la lune. Rancœur, bon, tiens, garde ça. Elle doit être accordée. En propriétaire de telle sorte que un autre ne puisse l'utiliser. Sa garde porte le nom Xan. Mais Xan n'est pas venu avec nous. Lol. Franzig nous a envoyé quelqu'un. Ok. Les preuves s'accumulent. Et maintenant, que se passe-t-il? Oui, en fait, ce serait bien de se regrouper. Là, vous êtes encore en flip, les amis. Oui. On a de la place. Figure autoritaire omniprésente. Ah, ça, ça. Le serviteur de Dame Nature attend. On identifie plein de choses, hein, je vois. Logiquement, c'est Dame qui devrait prendre les haches de gemme. Et maintenant, où donner. Je vais lui donner. Inventaire du personnage. Ah, mais c'est toujours plein chez Dorn. Ok. C'est oui, bon? C'est fait. C'est bon? Ok. On peut se retrouver? Et maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, on va sauvegarder. Et on va aller dormir. J'imagine que l'auberge peut nous aider à avoir des informations de où est la mairie, mais... on n'a pas vu de mairie pour l'instant. Ça peut paraître indigne. Oh non, mais j'ai oublié! Mais je vais vous égorger! Vous allez voir ça! Bon, on a passé un niveau, peut-être qu'on va l'avoir. Peut-être qu'on va l'avoir. Allez hop. On va absorber sa vie direct, comme ça on en sait faire. Allez Razad, montre-nous tes skills. Quoi? Oui?
Ce serait un endroit idéal pour ériger un Gromlech. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Mettons-nous en mode combat. Puis-je vous aider? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Allez, faut croiser les doigts pour les jets. Ce serait bien de pouvoir se reposer dans une auberge à un moment. Bah voilà. Je peux Eureka essayer. Oui. On ne dit pas. Oui, bien sûr. On est stuffé comme pas possible et on porte je sais pas combien de trucs. Bon, là, elle est passée un si niveau, mais on attendra que tu reviennes. Que tu reviennes dans avec la forêt, nous. Je tuerai le bâtard qui l'aura abattu. Je comprends bien. Bon, là, cette personne. Ok, ok. 180 pièces, je crois qu'on est en train d'augmenter nos skills de. Avez-vous besoin de mes services? On est recherché, quoi. Alors, qui peut porter ça? Mais ton inventaire est plein, c'est ça? Ok. Bah, on va vendre les bâtons de toute façon, donc voilà. Il faut vendre ça, ok. Et maintenant que c'est fait. Bon, bah, on a avancé, on a fait des trucs. Ok, faut juste attendre que tout le monde soit avec nous. Oui, la musique qui fait peur encore. C'est bon, Imoen est avec nous. Donc, Razad. Et maintenant, où? Est-ce qu'on peut lui faire passer son niveau? Alors, niveau supérieur. Arc court. Vol à la tire, crochetage de serrure, détecteur. Alors, on avait vu qu'elle avait un problème de. De crochetage de serrure, mais bon. Est-ce que pose de piège, c'est pas mieux? C'est pas mal, ça peut annuler des trucs. Okay. Là, sur le coup, je sais pas trop. Je sais que c'est crochetage de serrure, ça c'est pas mal. Mais on va faire posage de piège, hein, je pense. Au moins qu'on puisse en poser plus. Ah, mais j'ai 24 à donner. Vas-y. 10, on augmente. Détection des illusions, on va lui mettre 5. Salut Raving Bell. Non, on va lui mettre 10. Et on va augmenter le crochetage de serrure. Au max. Enfin, au max, à 35 au moins. Voilà, c'est pas mal. Mais du coup, j'ai foiré son niveau supérieur ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense que c'est pas mal. J'espère que tu vas bien, Raving Bell. Oui. On vient de passer, on oui, vient de finir sûr. Les mines. Et salut cop. Et on vient de trucider la dame qui était qui nous empêchait d'aller à l'auberge. Que j'avais si, oublié. On a jamais eu de rat. Non, mon bon monsieur. Eh bien, vu que nous sommes riches maintenant, 2344 pièces, on peut acheter au moins 3 potions. Plus, je fais des rêves chelous ces temps-ci. Ouh là là, dur. Je comprends. Vous vous réveillez en sursaut, en frissonnant, bien que la nuit soit chaude et calme. C'est comme si quelqu'un avait traversé votre propre tombe, et pendant un instant, vous vous demandez si ce n'était pas vous. Alors que vous songez à cela, le sol s'ouvre sous vous et vous emporte dans l'obscurité. Lorsque la lumière revient, sa présence ne vous réconforte en aucun cas. Devant vous se dressent les mines vides de Nashkel,
que vous avez nettoyée lors de votre précédent voyage. Vous avancez à travers des cloisons et des portes, vous enfonçant de plus en plus, jusqu'à ce qu'une silhouette bouffie surgisse. Mulahe, toujours en aussi mauvais état que lorsque vous l'avez vu pour la dernière fois, se tient immobile devant vous. N'ayant pas accès à l'après-vie, cette apparition maudite n'attendait que vous. Une dague en os vacille devant elle, attendant qu'une main se propose de l'enfoncer. Si cette créature respirait encore, elle hurlerait sans doute des jurons. Elle attend la mort, une mort au-delà de la mort, et n'a aucun espoir. Vous tournez le dos à la lame qui tombe bruyamment au sol. Le royaume des morts saura infliger un châtiment suffisant à cette créature. Il n'est pas nécessaire que vous en rajoutiez. Surpris et reconnaissant, le visage de Mulahe se met à chanceler en avant et vous traverse, s'en allant rejoindre le destin qui l'attend. Peut-être par mesure de sécurité, il laisse une partie de lui-même derrière. C'est une lueur d'espoir qui emplit un espace en vous, un trou vide, en forme de dague, que vous croyez rempli. Un cri de rage monte des profondeurs, et la dague en os s'envole en l'air, visant votre cœur. Vous vous réveillez au moment où elle aurait dû atteindre sa cible, et la sueur froide qui vous couvre brûle vos yeux. Une voix mécontente résonne dans vos oreilles, bien qu'elle aurait dû disparaître avec la fin du rêve. Vous finirez par apprendre. Oui, un jour, j'apprendrai à lire. Eh bien voilà, nous avons bien dormi, hein. Je pense qu'on fait les mêmes rêves avec Raving Bell que ce groupe d'aventuriers là sur le coup. Compliqué. Qu'est-ce que vous voulez ? Je m'en vais. Bon, on va tester le crochetage du coup. Ça marche. Et nous avons gagné de la thune. Tout autant que nous avons perdu. Je pense que nous avons fait un bon échange. Bonjour. J'ai autre chose à faire que de rester assis comme un idiot à vous parler. Eh bien, merci. Roland de Les la Tour Grosson. Les enfants y m'attendent. On va devoir s'occuper des bandits maintenant. On a déjà les scalps. Peut-être que ça va nous aider avec la garnison, mais on va voir. Et maintenant, que se passe-t-il ? Et maintenant, avec ces 5 balles que nous avons volées, on peut partir. Qui c'est qui est alourdi là ? Moi, je m'en vais. Ah bah oui. Mais je pense qu'il faut qu'on vende des trucs. J'imagine, ça peut aider. Genre tous les sorts, on en a pas besoin, ouais. Quelqu'un est plutôt léger ou pas ? Oui, Razad est plutôt léger. Tiens, Razad. Prends ses chaussures aussi. Le bouclier. Voilà. Mais elle est toujours blindée. Du coup, prends ça. On n'a pas de lanceur de sorts, donc en vrai, on peut s'en débarrasser. Ça va nous faire de la thune. L'armure feuilletée, du coup, non. Voilà, on va vendre tout. Quoique familier, ce serait pas mal. Mais vu qu'on n'a pas de lanceur de sorts, c'est compliqué, là. L'épée courte. Il n'en a pas besoin. La dague, en soi, il peut en avoir besoin. Ah, quoique si, l'épée courte, ça peut faire sa double arme. Mais là, pour l'instant, il est équipé. Ouais, on va abandonner. Le collier d'argent. La cotte de maille. Après, on identifie et on vérifie tout. Je pense qu'on va vendre ça, parce qu'en fait, voilà. La hache d'armes et le marteau de guerre, ça peut servir. L'épée courte, on s'en fiche. L'épée longue, c'est à deux mains, je crois que c'est bon pour Dorn. La hache d'armes, on en a deux, donc du coup, on va la vendre. La lance, c'est à deux mains, mais ça sert à rien. Et Albert, c'est à deux mains, donc c'est pas mal. Ouais, on va vendre tout ça. Écu, vendre.
Je pense que c'est pas mal. On s'est plus ou moins libéré de plein de trucs. Ah, mais on peut pas lui. Mais. On n'est pas passé par Kali. Toujours roi. Je comprends pas. Attendez. On peut pas lui vendre les. Ah, si. Voilà. Un peu de thunes, s'il vous plaît. Et nous sommes riches, 2300 balles. Bim! Incroyable. La richesse. On va sauvegarder, on va dire, la richesse. Sauvegarder. Et dehors, at least. Hop, on change. La richesse. Donc, nous cherchons la mairie. Une tâche facile. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Une tâche facile. Et Home veille sur vous conformément à votre demande. Ce serait bien d'avoir les antidotes parce que si on va... Mais c'est 150 balles. C'est très très cher. On va en prendre deux... On est combien? 6. Très très cher. On est déjà pauvre. On va identifier. Ça coûte cher l'identification ou pas? Ok. Ah si, c'est cher! Tant pis. On a besoin d'identifier tout ça. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et voilà, la richesse n'a pas tenu longtemps. Sauvegardons. La pauvreté. Ça a duré 3 secondes. Elle est juste tombée sur avant d'aller plus loin. Le 40 heures en chef. Bon, alors du coup, maintenant qu'on est équipé de trucs... Les villes sont tellement intimidantes. Il y a tellement de monde. Un des 6 plus 1, perforant. Ça, le plus. Aussi, j'imagine. Ça, c'est pas mal, mais... On fait pas du corps à corps pour l'instant avec, avec lui. Par contre, on peut le donner à Imoen. Parce qu'elle est déjà équipée d'une... d'un coutelas. Hop, prends ça. On sait jamais. On va vendre ensuite, par la suite, ça. Épée courte plus 1, donc tu peux pas porter, donc hop. Mais on a pas tout vendu, en fait. Attendez. Anneau honorifique de Sunneri. Ça fait quoi? Permet de mémoriser un sort divin supplémentaire de niveau 1 à 4. Bah écoute, tiens. Apprends. La béquille du haut placé. Le porteur est doté d'un don d'infravision. C'est infravision, c'est... Permettre de regarder au loin, j'imagine. Bon, bah voilà. Tu es équipé. Les chaussures. Le présent de Talos. Bottes d'atterrissage. Résistance à l'électricité. Ouais. Toi, t'avais quoi, toi? Le chapeau, les yeux de la vérité. Confère au porteur l'infravision sur 36 mètres. Bah voilà. Est-ce qu'on peut faire porter ça à quelqu'un qui en a besoin? Hein? La rondache. Classe d'armure plus 2. Bon, ça augmente en fait, mais du coup ça ne protège pas contre les trucs. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est équipé? Ouais, on va lui donner peut-être un. Ouais, elle. Elle en a besoin. Ah bah oui. Bah tiens, prends. Hein. J'avais, oui, pas, j'avais pas capté qu'elle était non protégée. On a d'autres trucs, voilà. Le truc. Ah bah voilà, on a un truc perforant. On va vendre ça. L'essence de félin. Classe d'armure. Plus 5 contre 1. Botte d'évitement.
contre les projectiles. On va se le mettre pour nous, parce que comme ça, on va pouvoir s'éviter des trucs. Voilà. Je donnerai pas... Il y a deux épées courtes, là. Je vais donner tout à Dorn, tout ce qu'on doit vendre. Bon, je le garde. Plein. Ça se trouve facilement. Et ça, je sais pas à quoi ça sert, mais on va le garder. Ouais. Et du coup, on peut vendre le reste. Bon, allez, c'est parti. Et maintenant, où c'est fait? Oui, bien sûr. Et Home veille sur vous conformément à votre demande. Ah, mais on peut pas vous vendre à vous. Excusez-moi. Par contre, est-ce qu'on peut vous acheter des sorts maintenant, ou, et vu qu'on a une bague sur de sorts vous conformément à votre demande. Non. Non, 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 non. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Donc on va devoir repasser vendre ici. Et je pense que du coup c'est la fait. Mairie doit être à Bérégost et on va mourir à Bérégost. Donc voilà. Mais la mairie de Nashkel est à Bérégost, c'est particulier quand même. Oui, bien sûr. Entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti. On peut ces pas vendre ci. Les bâtons. Faut les jeter. Hache d'armes, marteau de guerre, ça on a dit qu'on gardait. Épée longue, on garde. Hallebarde, on garde. Les bâtons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par terre. Beat erect. Oui, c'est fait. Après, on n'est pas allé là. On c'est peut fait. Se dire que peut-être que la mairie est par là. Est-ce qu'on n'irait salut, pas voir aussi Vous m'avez l'air bien sympathique. Ah non, c'est pas ici. Puis il y a, ah si, la mairie, elle est derrière. C'est la maison luxuriante que nous n'avons pas vue. Je me rappelle de cette maison de blindés, là. Regardez bien ce chemin. Je crois qu'elle est dans le coin. Là. Ouais, c'est ça. Regardez. Ça, c'est la mairie. Manoir. Non, c'est même pas la mairie. Allez, je pense que c'est là. Hein. C'est verrouillé. Eh bien, nous allons faire le tour pour être sûr qu'il n'y a pas de moyen de rentrer ailleurs, par la fenêtre par exemple. Pas l'impression. Donc, hop. Vous êtes hop. Une bien étrange hop. Personne. Déverrouille-moi ça pour moi. Pochetage de serrure réussi. Sauvegardons. Et maintenant, qu'est-ce que bien sûr. C'est fait. Discussion. Et maintenant, où... Discussion avec un chat. Attendez, je peux parler au chat, je peux parler au chat. Parle au chat. Une tâche facile. Pas le temps de bavarder. Pas le temps de bavarder. Les canailles chez moi, aurez-vous l'obligeance de quitter les lieux immédiatement? Je m'occupe d'affaires importantes et ne puis tolérer que des étrangers piétinent mon plancher. Assurez-vous de ne plus être là à mon retour. Très bien. Salutations. Comment vous n'avez pas eu la décence de vous déchausser? Regardez donc la boue que vous avez traînée. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Par ici! Ouh là là, il y a plein de trucs à regarder. Alors attendez, on va oui faire un charme animal sur le chat. Pendant quoi que Imoen vole. J'en ai assez! Maintenant, du coup, et on peut parler avec le chat. Que se passe-t-il? Et maintenant, où? Il dit miaou maintenant. Oh.
Vous avez quelque chose moi, à accomplir? Moi, je m'en vais. Je comprends pas, j'ai essayé de me cacher dans l'ombre en face de la personne et... pas accepté. Pas à quoi sert tous ces livres, mais ça doit être le lore. Ça doit être la maison du lore ici. Ah, j'avais pas vu à l'entrée. Par ici. Salutations. Il y a que des livres. Dans des bibliothèques, c'est incroyable. On va lui remettre ses livres. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Histoire de la cloche. On va faire comme si on les avait lus. Ah, ici. Ah ah. Ah. F5, c'est ça. Marche pas. J'en ai assez. Bon bah voilà, c'était bien, hein, c'était intéressant, hein. Toujours aller dans les manoirs. Ok, donc du coup cette maison luxuriante n'était pas la mairie. C'est fait. Faut qu'on aille à la garnison. Une taverne du dragon qui rote. Eh bien voilà. Un moulin. Alors le moulin, qu'est-ce qu'il nous dit le moulin? Rien. Ne nous dit point grand chose. Vous êtes? Oui. Mine, ouais, on voit de bonnes nouvelles. On va à la garnison. Peut-être qu'ils vont nous parler des bandits. Tâche facile. Ne vous approchez pas, citoyens. Ne vous approchez pas, citoyens. Mais c'est vrai qu'on a toujours pas trouvé le capitaine, en fait. Ouais. Ah ah. On sait qu'il était dans les mines, mais pas du tout. Bon, bah, voilà. C'était bien, quand même. Petit passage de rien du tout. Oui, bien sûr. Bon, retour à Beregost du coup. Regarde. Et on va tenter Beregost. Et on va s'arrêter sans doute là-bas. Ah, c'est vrai qu'il y a le festival, mais non, mais nous on veut aller à la mairie en fait. Oh, on a réussi à faire le chemin. Incroyable. Bon, on va faire dodo. Hein. Dans les rues de Beregost. Je serre le poing enflammé. Ah, il nous a réveillés. C'est fait. Alors, est-ce qu'il y a une mairie? Le jongleur jovial, maison de Landrin. Je pense qu'on va aller à la maison de Landrin.
c'est possible qu'on puisse se battre contre les... On a acheté des antidotes, normalement c'est bon. On peut se battre peut-être contre la personne qui va se transformer là, l'Andrin. Donc, sauvegardons, rentrons. Peut-être que nous sommes maintenant équipés grâce à Dorn. Ah, ils sont pleins, j'avais oublié. Oh là 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 là. Quoi ? Oui ? Le serviteur de la nature assassin. J'ai si froid. Excusez-moi. C'est allé tellement vite. Oui, bien sûr. Lol. Mettons-nous en pointe. Ça change rien. Imoen, faut pas que tu sois devant, en fait. Je comprends pas pourquoi t'es toujours devant. C'est fait. On va se déplacer un petit peu. Et puis-je vous aider ? C'est plutôt rapide les sorts de Dorn, donc du coup on va faire un truc, on va aspirer un venin, etc. Ni vu ni connu. Oui, qu'est-ce que vous voulez, figure autoritaire ? Mettons-nous à distance. Ah, il y a Razad qui s'est empoisonné. Oulala. T'as de quoi ? Non, t'as rien. Je crois que c'est que. Il y a que moi qui. On va se passer les bouteilles, hein. On va se les lancer dans la foulée. Avez-vous besoin de mes services ? Vous avez quelque chose à accomplir ? Non, mais c'est bien d'aller là-bas. C'est comme si c'était fait. Quoi ? Et maintenant, où ? Quoi ? Oui ? Mais il est quand même décédé ! En 3 secondes, 5 centièmes, j'en peux plus. Une tâche facile. Je crois qu'on peut pas diviser les potions, c'est ça qui m'énerve aussi. Oh. Ça se trouve, il y a un moyen de le faire. Vous êtes une bien étrange personne. Your wish? Puis-je vous aider? S'il n'y a pas le choix. Le serviteur de Dame Nature attend. Qu'est-ce que vous voulez? Mettre des gens à protéger les autres, je crois. C'est ça l'histoire. Il y a trop de personnes quoi en même temps. Je m'en vais. Et maintenant, elle va que mourir. Se passe-t-il ? Je vois pas comment la faire survivre. Moi, je m'en vais. Ah oui, c'était là. Moi, je mets au sol. Non, mais tu peux rester là, par contre. Vu que t'es en train de décéder. Mais pourquoi elle a son arme, là ? Moi, je veux ça, moi, que tu portes. Je veux que tu sois à distance. À distance. Ma lame vous coupera en morceaux. Et maintenant, où ? Mais pourquoi ? Pourquoi vous tout le monde une veut... bien étrange personne. Pourquoi tout le monde veut m'embêter ? Non, moi, je veux que tu tapes. Oui ? Tu es où, toi ? Pourquoi tu es là ? Oui, bien sûr. Enfuis-toi, déjà. Qu'est-ce que vous voulez ? Et on va te donner ça. Pour que tu puisses survivre. Et maintenant, que se passe-t-il ? Je me sortirai d'ici ! Une tâche facile. Ah. Une nouvelle victime ? Ça ne s'arrêtera donc jamais ? Ah mais il a déjà utilisé, attendez. Oui ? Oh, figure autoritaire. Elle a le passage de potion là, c'est un bordel. C'est un bordel. Mais Razad est mort, j'avais même pas vu. Quel enfer. Il y a moyen de rentrer.
en étant caché? Ça, c'est une grande question. C'est fait. Pour se positionner l'un après l'autre. Par exemple, si j'envoie... Vous êtes une bien étrange personne. Imoen et Razad. Imoen est en mode caché. J'en hop. Ai assez. Razad en mode caché. Il a foiré. Qu'est-ce que vous voulez? J'en eh ben, ai on part. Assez. I am prepared. I understand. Voilà, sortez. On oui. vous attend dehors. Oui, bien sûr. Ah mais elles sont sorties. Trop bien. Non mais par contre, faut faire quelque chose là. Il y a Razad qui est en train de super boycott. Attendez, cette technique fonctionne. On va envoyer quelqu'un de plus costaud. Donc nous, on va attendre derrière la barrière. Puis-je vous aider ? Je pense qu'on va finir là. Hop. Je pense qu'après, on pourra plus rien faire. Allez. On va faire entrée-sortie. Haha ! Vous êtes officiellement piégé. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Figure autoritaire omniprésente. Quoi ? Oui ? Attends, d'abord je vais piquer sa vie à elle. Et oui. Vous trois. Puis-je vous aider ? Vous deux plutôt. Avez-vous besoin de s'il n'y a pas le choix ? Pour ceux qui ont péri ! Ok, on est bien, on est au bon endroit. Quoi ? Oui ? Vous avez quelque chose à accomplir ? Oui, bien sûr. C'est... Pour toutes nos vies, ouais. Pour ceux qui ont péri ! Allez, on va y arriver. Il en reste qu'une. Mais enfin, Razad ! Tu pouvais survivre à ça. Bon. On recommence. C'est fait. Peter Recht. Try to keep up. It shall be even bloodier than you hoped. Your wish? Puis-je vous aider? Je ferai de mon mieux. Le serviteur vous êtes de la bien nature atteint. Speak and be gone. Et on se débarrasse d'une déjà, c'est pas mal. Dès le début. Razad peut-être pas tout le temps au corps à corps, ça serait pas mal. De temps en temps, tu reviens en arrière. Avez-vous besoin de mes services ? I will listen for now. Ok. Quoi ? Oui ? Et maintenant, que se passe-t-il ? I look forward to your instructions. C'est lui qui guide my hand. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Aid me. On va peut-être survivre. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Par contre, ce serait bien Razad que tu restes un peu là. Oh, on a survécu. Et on a un corps d'araignée à donner à Londrin pour lui dire « Écoute, tu es ton piège à foirer. » Et maintenant, où ? Oh. C'est fait. Oh, on peut piller ça. Bah non. Prenons le corps d'araignée oui pour l'exposer à Londrin, puisque Londrin nous a eu. Et on va dormir à l'intérieur, parce qu'apparemment on peut pas dormir à l'extérieur. Et maintenant, que se passe-t-il ? Oui, bien sûr. Il doit plus y avoir d'araignée dedans. Non. Bon, c'est bah de toute façon, ça va aller vite, là. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Dis-moi que Razad ne va pas mourir bêtement. Pourquoi il focalise... Elle focalise sur... Colossal, hein. Colossal. Et maintenant, où ? Et voilà, on c'est a survécu. Incroyable. Bravo. On va sauvegarder. On a beaucoup avancé au final. On a fait beaucoup de choses.
Je vais mettre ce que tu as dit pour ceux. Pour celles, on va préciser, parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont mouru, qui ont péri. Voilà, et maintenant nous sommes à l'intérieur. On peut Qu'est-ce officiellement voler tout. Pour pas. Ça se trouve, naturellement, j'imagine. J'en ai assez. Ah ah ! Qu'est-ce que c'est, des bottes usées incroyables. Je vais pas prendre ça. Et devant, je veux bien. Bah, ça va être notre maison, hein. Donc faudrait aller voir Landrin pour lui montrer le cadavre de l'araignée, oui. J'imagine. Dormons ici. Ah. Faut trouver une auberge. Une tâche facile. C'est interdit maintenant. D'accord. On va tenter d'aller à l'auberge, mais je pense qu'on va se faire défoncer par Silk. Ou il y a l'auberge riche là, de Richard. Peut-être qu'on va aller du côté des Richards, mais je pense que ça va être compliqué. Maison de Perle Flamme. Auberge de Fold Post. On va aller là. Oui, bien sûr. En plus, regardez Razad, il va tellement vite. En même temps, il était fatigué, donc c'est peut-être pour ça qu'il va vite. C'est bon, on peut rentrer. Maintenant, sortez. Votre présence ne me plaît guère. Bah pourquoi ? Hey, c'est à vous de leur dire, Narl. Mais qui êtes-vous ? Oui, bien sûr. C'est à moi que vous parlez ? C'est à moi que vous parlez ? Ah oui, c'est vraiment l'auberge de Richard. Excusez-moi, je vais aller voir le serveur pour pouvoir prendre une... Eh, j'ai de la bonne bière pour vous. Un endroit pour dormir, si tu veux, je prends ça. Comme ça, c'est pas cher. Bon, je pense qu'il est l'heure. Oui, indeed. Alors, où allons-nous ? La grande question. Je pense qu'il est l'heure pour moi. Bon, on a réussi à dormir dans la maison des riches. Je pense qu'on peut sauvegarder. On va s'amuser à nettoyer aussi les sauvegardes, là. Mais... supprimer.